et c'est non sans regret que j'ai eu vent de la nouvelle. Ma formation en être conditionnelle. Je pense que c'est un festival qui a quand même bientôt 20 ans. Hein. Donc en 20 ans, ça évolue. Un festival et c'est une programmation qui est quand même super éclectique. Là on va un peu dans tous les sens, donc c'est pas mal aussi. Voilà, c'est, moi j'y suis revenu en touriste une ou deux fois. Ah t'es content de voir Compay Segundo sur scène ou pas, tu vois, c'est pas forcément des mecs qu'on croise dans les festivals qu'on fait en général. On a discuté avec Christophe Niosek qui lui a déjà joué de. Plus récemment, qui nous a dit qu'il y avait une espèce de tradition de chorale qui s'était instaurée au bout du monde, que c'était un public qui chantait beaucoup. Pas beaucoup ce festival, moi j'en avais pas entendu parler pour être honnête, mais à chaque fois que j'en parlais on me disait non, tu vas au bout du monde, alors bah oui, oh là là, mais tu vas voir, c'est génial, donc on était déjà tous super contents de venir et on a passé un moment exceptionnel, on a été très bien accueillis, la prog était super, l'ambiance au festival était top, un temps magnifique, un public exceptionnel, on a eu la chance aussi le dimanche de pouvoir être vraiment en tant que festivalier dans le festival. Et là, du coup, on a découvert encore une autre facette. Et vraiment, faut aller au bout du, quoi. Quel bonheur d'être là ce soir! L'amour coule à flot, à croissant! Je me sens vraiment chez moi ici. On croise tous les artistes, mais surtout, pas juste des artistes qui remplissent des groupes, des stades ou autres. Mais je retrouve les artistes avec un cœur, ça veut dire que le festival a aussi un concept et qu'il laisse la place à l'éducation, à l'humanité, au rappel des valeurs. Je pense qu'il est important de garder cette dimension. Ça nous permet de rester en famille dans des festivals, de nous reconnaître à travers les autres et surtout de nous rappeler qu'il y a d'autres valeurs à conserver que juste l'argent. Toute cette humanité que j'ai retrouvée ici, c'est l'amour incarné. C'est l'amour sur le bout des doigts, c'est l'amour à chaque coin du festival, c'est les rencontres. Il n'y a pas de mots pour ça. Il n'y a pas de mots quand c'est naturel. Il n'y a pas de mots quand on retrouve l'impression de que tu es en famille dans chaque visage, dans chaque sourire. Quelque chose qu'on perd de plus en plus, le sourire. Il y en a partout. Ici, ça abonde chaque coin du festival. Et les crêpes. Les crêpes, c'est juste magnifique d'être ici, magnifique.